Évidemment, on va changer un peu de préoccupation. On va revenir à mes préoccupations, si je puis dire, premières, qui concernent l'outre-mer, parfois de relier, parce que j'ai fait aussi des publications, notamment pour la revue Outre-mer, sur l'image du missionnaire dans la bande dessinée, mais enfin, c'est autre chose. Donc, si on en revient à l'outre-mer, j'ai évoqué tout à l'heure comment Jacques Gallier était venu me trouver la fin des années 70, ou je ne sais même plus très bien quand, pour me demander de faire partie, en 70 ou en 79 je crois, pour me demander de faire partie de crédit qu'il venait de lancer à Lyon. Et alors, avec Maurice César et Claude Soutens, nous avions relancé cet intérêt pour les questions du christianisme outre-mer, et dans le cadre notamment du centre Vincent Leb, qui apparaissait un petit peu comme un centre parallèle au Crédit Lyonnais. Et alors, on était tous les trois membres des deux associations en même temps, et nous avons beaucoup travaillé sur ces questions. Notamment, dans la perspective de voir dans quelle mesure le christianisme qui avait été implanté là-bas est un christianisme plaqué sur l'Occident, ou qui tout doucement commençait à s'acculturer dans les terreaux locaux. Alors, c'était un peu la perspective, puisque Jacques Gadi avait intitulé son centre « Centre de recherche sur la diffusion et l'inculturation du christianisme ». Inculturation n'a pas un mot tellement apprécié, on dit plutôt acculturation, mais lui, il envisageait le mot inculturation. C'était l'idée que le christianisme qui était importé finissait par germer dans les cultures, il s'inculturait, il devenait partie comme un germe se nourrit de racines locales, de terreaux locaux, et pousse des racines dans les terreaux locaux. Bon. Alors, Jacques Gadi avait surtout en tête qu'il fallait récolter la mémoire des missionnaires. La mémoire des missionnaires qui commençaient à devenir âgés, qui commençaient à mourir, et qu'il fallait récolter, interroger. C'était un peu dans cette perspective-là qu'on avait commencé. Et puis finalement, le Crédit avait changé un peu de perspective, en disant, bien sûr, on va récolter, mais on va aussi essayer d'étudier ces témoignages. Et puis on était passé d'une phase de récolte à une phase d'étude, puis finalement de publication et d'étude plus classique. L'avantage du Crédit, c'est qu'il était pluridisciplinaire, parce qu'il y avait des gens de terrain, c'est-à-dire des missionnaires qui revenaient. Il y avait aussi des gens d'études, des gens d'université qui analysaient les témoignages. Donc, il y a eu assez bien au début ce mélange des deux. Même si actuellement, évidemment, les gens qui reviennent sont beaucoup moins nombreux, les gens de terrain sont moins nombreux que les gens d'études. Il y avait aussi ce mélange confessionnel. Il y avait des catholiques et des protestants et des non-catholiques et des non-protestants, des gens qui étaient tout à fait non inscrits dans un courant religieux, donc des gens tout à fait agnostiques qui venaient. Et alors, il y avait ce mélange à la fois respectueux des croyances et des non-croyances de chacun, et aussi respectueux des orientations de chacun, parce que les gens de terrain avaient souvent un autre point de vue, une autre perspective que les gens d'études, que nous étions, quoi. Et alors là, c'était vraiment intéressant au départ. Maintenant, évidemment, ça change un peu, parce qu'avec le temps, la composition évolue, quoi. Mais alors, il y avait aussi un mélange de cultures, puisqu'il y avait des gens, il y avait bien sûr des Africains, il y avait aussi quelques autres, quelques Asiatiques, mais il y en avait moins, mais il y avait aussi des gens, beaucoup de Français, quelques Belges, quelques Hollandais, il y a eu aussi quelques Italiens, quelques Espagnols à un moment donné. Donc il y avait ce mélange-là qui faisait que c'était vraiment un terreau intéressant de publication.
Et le Crédic a beaucoup publié, et nous étions à Louvain-la-Neuve, un peu en relais de Crédic. On a beaucoup travaillé avec eux. On avait publié ici, je prends mon chose pour. On a fait des colloques à Ganzada en Italie, à Stuttgart en Allemagne, à Chantelle en France, à Salamanque en Espagne, à Huelva aussi, à Nimègue aux Pays-Bas, à Vérone. Mais alors, on a publié beaucoup, et notamment, on a publié avec eux les nouvelles voies de la mission, comment le missionnaire traditionnel du 19e et du 20e siècle se muait petit à petit en coopérant, ou alors inventer de nouvelles formes plus éphémères, moins structurées, de coopération qui mélange à la fois le christianisme et la coopération économique. Alors, c'était ce qu'on avait appelé les nouvelles voies de la mission, dans un colloque qu'on avait donc patronné avec le centre Vincent Lèbe. Ou alors, on a travaillé aussi sur l'œcuménisme pratique missionnaire pour montrer comment le vieil antagonisme missionnaire catholique-protestant s'était mué petit à petit en collaboration, donc dans des pratiques œcuméniques qui étaient le prélude, si je puis dire, à un œcuménisme plus contemporain, qui est quand même de mise actuellement, heureusement, parce qu'avant c'était quand même la guerre ouverte entre les différentes confessions. On a travaillé sur les conditions matérielles de la mission, en montrant comment chaque confession avait ses façons particulières de s'implanter, de faire son nid, si je puis dire, en construisant sa mission, en construisant les bâtiments de la mission, en construisant ces implantations à la fois sur le plan caritatif, les hôpitaux, les implantations des stations missionnaires, ces implantations d'écoles, voire d'universités, et comment tout cela, ces implantations ont façonné des identités. Est-ce qu'on utilisait les styles locaux ou les styles européens, notamment, mais aussi dans l'enseignement, on enseignait bien sûr les sciences européennes, mais on formait des gens. Qu'est-ce que ces gens sont devenus? Tout ça, ça méritait des études, ça le mérite toujours. Et alors, on a travaillé un petit peu là-dessus. Et alors, oui, on a aussi travaillé sur, comme je le disais tout à l'heure, sur quel Dieu, quel homme. Quel était ce Dieu annoncé par les missionnaires? Et quel était le corollaire sur l'homme? Quel était quelles étaient les influences sur le type d'humanité qu'on voulait promouvoir. Tout cela, ça a fait l'objet d'études du Crédic. Et alors là, on a travaillé beaucoup avec cela. Mais évidemment, je pourrais aussi en parler pendant des heures, hein, mais je ne sais pas où je dois m'arrêter. Bon, on peut en rester là.